Eh, cette campagne, elle va vite être torchée à ce rythme-là. Donc là, je pense que ça va être le dernier scénario normalement. Donc on est parti pour cette dernière mission. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue sur Age of Mythology Extended Edition pour la campagne du Présendor, la campagne scandinave avec les frères Etriebrock, que l'on croise dans la campagne La Chute du Trident en Scandinavie. On est parti. Il me reste celle de la Chine, mais je la ferai plus tard. Là, je voulais faire c'est un truc spécial, un peu en genre one shot, tu vois. Alors, détruisez le temple de Loki près de votre forum. Vos balises sont efficaces pour détruire les bâtons, détruire les temples pour gagner plus de pouvoir divin. Vas-y. Par contre, ouais. On va déjà faire là. On a de l'or ici, de ce que je viens de voir, une grande mine d'or. Bah, tu sais quoi? À l'attaque. Mais c'est vrai qu'en comparaison des autres campagnes. Après, il y a un petit regret que je trouve pour la campagne de c'est l'Atlantide que j'ai trouvé agréable, mais je pense qu'il pouvait encore étendre un peu le truc, quoi. Mais bon. Bien. Amenez Brock et Etri au grand sanglier de guerre. Vous avez besoin d'une puissante armée pour combattre les sbires de Loki, escorter Brock et Etri jusqu'au grand sanglier de guerre. Détruisez les temples des Etri pour gagner. Enfin, de Loki pour gagner d'autres pouvoirs divins. On a de l'or ici. Surtout, c'est leurs arbres, c'est les arbres là. On va falloir trouver ces foutus temples. Après aussi, là, ce qu'on peut faire, c'est que nos deux héros, là, ils peuvent miner des ressources. Hein. Et en vrai, c'est pas un mauvais plan, je trouve. Bonne chasse, ça dédouble nos animaux, ok. À mon avis, on risque de subir des attaques. Alors, j'ai envoyé ma cavalerie explorer un peu. Ouais, elle était bien. Je dis pas le contraire, mais je pense qu'il y avait moyen de prolonger un petit peu pour voir comment ils allaient reconstruire l'Atlantide après, quoi. Juste un ou deux scénarios, tu vois. Tu t'arrêtes sur la fin de Chronos qui retourne dans le Tartare. Oh putain, recule, recule. Reculer, reculer. Loki atteint l'âge classique grâce à la vigilance de Heimdall. Ok. Donc il va nous falloir des hercires là. Donc on va faire ça. On va chercher plus de bois tout de suite. Je vais faire un autre nain pour plus d'or. Ils sont très polyvalents ces nains, c'est cool. Bon, là, on n'a plus de nourriture. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un Eneria qui traîne là. Je vais pas y aller. Mais je vais aller là, puisqu'il n'y a plus le temple. Hop, un autre char ici. Eh merde, excusez-moi.
débloquer ça tout de suite. Je vais faire aussi ça dès que j'ai les ressources nécessaires. Hop, on va commencer à faire nos défenses. Ah bah j'ai un hussard là, je l'ai oublié. Je vais faire une deuxième caserne tout de suite. Et derrière, je vais faire un fort de la colline dès que j'aurai les ressources. Bah, je vais déjà faire deux hercires tout simplement pour générer un petit peu de faveur. Ah, l'autre il récupère déjà des ressources. Je fais un deuxième hussard tout de suite pour avoir un autre constructeur là. Du bois, ouais. Ajoute-moi deux autres nains alors. Ensuite on leur mettra deux au bois, ça va commencer à équilibrer l'économie. Bon, on va retirer ces deux là, ça faudra faire attention quoi. J'espère que ça suffira. Je sais plus quel dieu il a pris, c'était pas Imdal. Il y en a toi. Parfait. Amener la baliste et c'est la construction. On va raser ce temple aussi. Comme ça on va générer de la faveur en plus. Plus on se bat, plus on génère de faveur. Ok, c'est pas mal. Une colonie ici. On va envoyer encore la cavalerie offensive. Je vais faire des sabots de tonnerre pour augmenter la vitesse de ma cavalerie et les points de vie. Pour explorer un peu plus rapidement cette carte. Je vais faire deux autres nains là. Elle a combien de vitesse? Elle a 6 de vitesse de base, c'est pas mal. Je pense que je vais faire quelques balistes aussi pour nous aider. Ça y est, elle a gagné. Oh, 10% de vitesse, c'est pas dégueulasse. Là, c'est un cul-de-sac. Ok, il y a des passages par-ci par-là. Je vois que j'ai des gens qui font plus rien. Ouf, là. Tu sais quoi? On va multiplier. Hop. On va les rechasser ces rennes ici. Enfin, ou ces caribous, ces cerfs, comme vous préférez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Oh, des ours polaires à chasser, c'est pas déconnant ça. En plus qu'on a la technologie pour. Âge héroïque, oula. Ah, plus de chasse plus vite. Bon, on a une base sécurisée apparemment pour faire un deuxième forum là. Mais on va aller le faire tout de suite. Comme ça. Ça devrait être bon. Il va falloir faire un marché par contre. Et j'ai son emplacement ici. Yeah.
On va sécuriser la zone. Par là, c'est un cul-de-sac, donc à mon avis. Là, c'est good. On va garder cette baliste au chaud. Hein. Faut pas la perdre. Parfait. Le marché est prêt. Je pense qu'aussi je vais mettre un fort de la colline dans le coin. Si jamais il y a une attaque qui se précipiterait là. Et pourquoi pas murer ici pour être pour couper toute tentative d'attaque. Je vais partir sur un groupe de lanceurs de hache supplémentaires, tiens. Bon. Bonne soirée, bonne année et à la prochaine. Merci d'être passé. Donc évidemment, je remettrai les rediffs sur YouTube. Hein. Je ferai le découpage. Ouais, je vais faire un mur avec une porte ici. Juste au cas où. Bon, on a que des lanceurs de hache de base, mais bon. Ensuite, il va falloir. Donc là, le fort de la colline va être terminé, ça va être très bien. Attends, t'es passé toi? Bon. Faudra peut-être te dépêcher de faire le tour. Laissez le passer, merci. Parfait. Donc là, on aura une bonne assise défensive. J'ai développé l'infanterie. Là, j'ai rajouté quelques mineurs, quelques bûcherons supplémentaires. Il n'y a pas peut-être de l'or là-haut, non? Au niveau unité mythique, j'ai pas de temple encore, tiens. Je vais faire un temple tout de suite. Non, il n'y a rien, c'est ça? Ah, il y a une mine d'or quand même. C'est bon à savoir. Attends, j'ai croisé quelque chose. Ah, c'est un Eneria. Oh, il est pas content, on dirait. On va éviter de le contrarier. Hein. Il y a peut-être un temple dans le coin. J'ai commencé à développer mes technologies. Il y a un temple. C'est ce que je disais. Parfait. Vous, par là. La baliste, on la garde en réserve. Comme ça, là, notre travail, on va gagner un peu de puissance de combat. Oh, une relique ici. Ah, tu sais quoi? Tu vas l'embarquer, toi. Oula. Ouais. Il y a du peuple là-bas. Oh putain. Reculez, courez, courez, courez. Faut taper dans le dos là. Oh ça, je l'avais pas vu venir. Toi, tu vas reculer aussi. On va se replier. Il faut vite revenir là. Et là, les ennuis commencent. Vite, vite, au bastion, bastion. J'ai bien fait de faire des défenses quand même, hein, mais bon. Vite, abattez-les. Ne dis pas que j'ai laissé les deux gus assis. Ah,
Donc concentrez-vous sur les Eineria. C'est bon. On l'a échappé belle. Là, c'était de la nourriture. J'avais vu de la chasse. C'est de la chasse à l'ours aussi. Hein. Non, là. Voilà. On a plus de cavalerie, ça semble être embêtant. On va faire l'infanterie lourde aussi, comme ça on sera sûr. Bon, toi tu vas planer. C'est un hussard moyen, ça va, mais bon. Ok. Alors, à mon avis, ils ont dû venir d'un endroit qu'on s'y attendait pas. Parfait. Excusez-moi. Je remercierai Mox s'il passe tout à l'heure. On va tout de suite préparer les caravanes. Par contre, là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de soins, quoi. Bon, on va préparer ce fort de la colline. Ça donnera une défense supplémentaire. On va faire cette technologie-là, celle-là aussi. Là, on a l'infanterie lourde. Et je vais passer aussi toutes mes techs de l'âge, là. Parfait. Là, on a une meilleure assise en défense. Là, je passe à 4 hercir. Mais... Hop. On va faire d'autres maisons. Le fameux pâté de maison, hein, très connu. Ok, le lanceur de hache lourd, ça arrive. On a déjà développé toutes nos techs quasiment, enfin les deux, la moitié. Hein. Le tech à la forge. Il nous manquerait plus que l'infanterie championne qu'on va débloquer tout de suite. Comme ça, on aura un ascendant. Donc là, nos nabos, là, ils vont devenir plus costauds. Je vais faire aussi ça. Donc là, on a tout chassé. Reculez là, il y a du peuple. Il y a du peuple. Youhou. Allez, attirez-les sur le forum. Les Hercir, vous allez attaquer là-bas. On a bien fait. Hein. Là, j'ai plus de nourriture non plus. Oh, t'es sérieux? Vous êtes bloqué à cause d'un pauvre sanglier? Non, mais sérieusement. Bon, on va le chasser. Hein. Voilà. Il va nous ramener un... Ça nous ramènera un peu d'or. On va ramener un groupe de lanceurs de hache supplémentaires. Eux, ils sont pas mauvais, les Jarls, contre les unités mythiques. Ah,
Attends, j'ai trop de bois là. On va commencer à passer à la vitesse supérieure. Il faudrait essayer de trouver où sont leurs camps là. Il y a un sanglier de moins ici, le deuxième. On a vu que le lanceur de hache, ça faisait le boulot quand même. Je pense que j'ai commencé à préparer deux, trois balistes en plus pour essayer de voir si on peut pas faire une attaque. Oh putain, ils sont encore plus nombreux là. Je vais me servir de mes héros pour les attirer. Vite, vite, venez là. On va les attirer sous le forum et sur le... Bien joué. Par contre, il faut intercepter le contingent qui reste. Ça va, vous êtes pas si nombreux, vous êtes pas trop nombreux, on vous dérange pas. J'ai bien fait de faire l'huile bouillante, hein. C'est bien. Comme ça, on va monter à 19. Je vais en rajouter un de plus, on sera à 20. Là, je me retrouve avec 3-4 balles. La quatrième, elle est où d'ailleurs, tu vois? Donc là, oh, toi, tu reviens là. Et on va faire des fermes. Je pense que je vais me faire encore un petit peu de nains. Et là, il va falloir quelques... Oh, il va nous faire des yards, là. J'améliorerai ma cave un peu. Il faut qu'on avance, faut voir ce qui se passe. Il y a une colonie là encore, tu me diras. Je vais améliorer le goudron, je vais faire du goudron brûlant. Ah, il y a un autre temple là. Ouais, ils sont vénères là, attention. Bien joué. Allez, arme enflammée, tant pis. Abattez le géant, c'est lui le plus dangereux. Putain, je vais perdre toute mon armée, mais bon. Parfait. On a pris cher, mais bon, là on est un peu plus tranquille. C'est de poser un autre forum là.
On commence à continuer à développer notre économie. Donc on sait que là il y a des murs, d'accord. Je crois que je vais faire quelques hussards quand même, hein, on en aura besoin. Au niveau des unités mythiques, je sais plus ce que je peux avoir. Alors, géant de givre. Ah bah Valkyrie. Je pensais que je pouvais pas en avoir, mais j'ai rien dit. On va installer une position là. Oh, ça a l'air bien défendu, hein. Et bah tu sais quoi? On va fortifier nos forums aussi. Non mais sérieux là le jeu. Vite vite vite. Allez, planquez-vous dans le forum. C'est quand même dégueulasse alors. Donc ça veut dire qu'ils viennent du sud là. Vite. Je crois que je vais refaire mon point de ralliement là. Tout, je peux pas aller en garnison. Vas-y, viens. Bon, ça va aller hier, on l'a bien encaissé, on dirait. Bon, ça va. On a réussi, mais bon. Mais à quel prix? Donc, ok, ils viennent du sud aussi. Bon, ça va, il me reste un peu d'argent. Je vais faire aussi ça pour augmenter le rythme des soins. Par contre, il va me falloir d'autres maisons communales, hein. On va déplacer notre front. Allez. Voilà. Là, c'est plus une unité, là, ça va être des forts et des forts. Ok, ils sortent de l'infanterie. Enfin, ils sortent de la cavalerie en masse, pardon. J'ai pas le temps de bâtir ma base, c'est un truc de dingue, quoi. Vite, recule, toi. Allez, go, go, go. Bon, au moins, on va s'occuper de ce géant. C'est bien. Voilà, on va avoir un groupe du Sark déjà en défense. Stop. Voilà. Déjà une dizaine du Sark pour commencer, c'est pas mal.
Manteaux aussi. Ah, là on n'a plus d'or. Quand j'ai plus de hercir. Ah, c'est embêtant ça. On va en mettre un petit groupe. Allez, encore une attaque, youpi. Oh, j'ai plus assez de nourriture. J'ai un groupe de la dôme de lanceurs de hache ici. Bon, ça va, ça tient. Difficilement, mais ça tient. Donc là, je vais avoir un groupe là assez massif. Ça m'a rapporté combien cette caravane? 65, c'est pas mal. Non, revenez là, vous. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Il y a peut-être un camp, hein. Non, c'est notre porte, là. Ok. Tiens. Ah, c'est tout? Bon, il y aura toujours ça de moins. On va voir ce que ça donne là. Ça peut attirer les adversaires, pourquoi pas. Et là, mon autre fort de guerre, il va faire quelques balistes en supplément. Bon, c'est bien, ça travaille. J'ai mes hercires là, ils vont débarquer. Et je vais rajouter une Valkyrie supplémentaire. Là, j'ai peur de m'engouffrer en fait. Oula, une nouvelle attaque se prépare. Ok, on a compris. Donc, venez, 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 mes mignons. Petit, petit. Recule, recule. T'affrontes un Hercir et un. Les hercires vont débarquer, ça a commencé à les calmer. J'ai débloqué aussi l'ingénierie Liu. Vitesse et ingénierie, let's go. Bon, c'est bien, on a résisté. On va pousser un peu maintenant. Bon, ok, ils n'ont pas amélioré leur défense déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet d'avancer un peu. Mais pourquoi vous passez pas? Non mais j'ai des balistes débiles. Allô. Voilà. C'est pas trop tôt. J'ai des balistes. Oh là là, attends. Il y a des maisons là, on va les taper. Oh, il y a une relique là-haut. Bon, ils vont venir là, qu'ils viennent. Non, ils viennent vers moi. Ils viennent vers mes balistes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Recule, reculez-vous. Voilà l'infanterie lourde contre l'infanterie championne, hein, y a pas de débat. Parfait. On avance. Il y a un village. On va raser leur maison. J'espère que ça va affecter leur limite de population. Donc là, je vois que je me fais pas mal d'or. Hop, on débloque toutes les techniques requises qu'on va avoir besoin. C'est parfait. Je vais rajouter une autre baliste. Enfin, dès que j'ai leur requis, bien sûr. Ok, ça ramène encore du monde en masse. Vous, vous reculez impérativement, merci. Voilà. Bien joué. Nouvelle position. J'ai embarqué cette baliste là. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais installer un fort ici. Et même deux. Ah bah, ça tombe bien. On va provoquer notre adversaire un peu. Bon, c'est bien. Là, je vois qu'il y a une grosse concentration de troupes. On va voir ce que ça donne. On va essayer de les provoquer. Waouh, mais il y a combien de trucs là-bas? On va essayer de détruire vite leur fort pour être tranquille. Oh putain, il a atteint l'âge mythique, ça sent moins bon là. Parfait, reculer, reculer. Ah non, pas hiver fine boule. Non, 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 non. On va se prendre un carnage. Oh, le pouvoir feu de forêt, il aura peut-être son utilité. Avancez par là, vite. Il a détruit toute mon économie, cet enfoiré. Bon, on va avancer par là, allez. Je vais refaire mon économie derrière. Waouh, il y a des trolls là-haut, on va les chercher. Par contre, où sont mes nains là? Ah, vous êtes là vous deux. C'est pas que ça fait un moment qu'on vous cherche, mais ça fait un moment qu'on vous cherche. Rasez-moi ce temps pour être tranquille. Bon, au moins il s'occupe sur mes trucs là, c'est cool. Alors là, il va nous faire des renforts. J'ai tout perdu ici. Bon, reculer, avancer, avancer, avancer. Ah,
Notre armée là, elle est en lambeau. Mais pourquoi vous? Mais c'est pas possible. Bon, au moins on a une partie de notre armée qui a réussi à passer. Par contre, tu vas refaire deux balistes. Hein. J'ai une vue qu'il y avait une mine d'or tout au sud. On va aller la récupérer. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai combien de gars là? J'en ai 8. Allons-y là, on va percer. Je vais faire quelques huscarles ici, juste pour réparer. Hein. Et derrière, je fais un temple là. Mon armée, elle a tellement pris cher là. On va essayer de les attirer, mais bon. Bon, pour le moment, ça tient. Je vais peut-être renforcer encore les points de vie de mes bâtiments. On va commencer un peu à repousser tout ça. Non, une unité mythique Valkyrie contre Hers. Alors, ça en est où là? Allez, on va faire ça pour renforcer notre avantage. Allez, on va repousser, on va raser leur caserne, là, ça commence à être chiant. Rasez-moi cette caserne, on sera tranquille. Allez, une de moins, c'est cool. Il ne reste plus que 3 tombés. Bon, ça se passe. Là, ça va. On arrive à tenir. Toi, tu vas ressortir de là parce que tu vas te faire ta... Parfait. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus beaucoup de trucs au... Une fois qu'il y aura les maisons communales de détruites, on sera un peu plus serein. Ah.
Pas mal du tout là. Par contre, non, n'allez pas vous empaler sur un de leurs forums. Bon. Il y a le forum là-bas qu'on va aller tenter d'aller détruire. Bon, le gros là, le forum là, s'il tombe, c'est gagné. Hein. Bon, ils ont plus beaucoup de troupes. Rasez-moi ce forum. Oh, oh non, toi, tu vas pas reconstruire un temple. Voilà, pas de pitié là. Il me reste deux balises, ça suffira pas. On va accélérer un peu tout ça. Ouais, je sais qu'on va devoir atteindre ce foutu sanglier d'or. Lui est presque tombé. Bon, pour toi tu recules. Bon, je pense que là c'est plus dur effet. Massacre les soldats et après les villageois. Bah là je pense que tout est bon d'un moment. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose là-bas, mais bon, je pense que là, le gros de la base est détruit. Bah, le marché dans le doute. Parfait. Ah, je... Là, je pense que c'est plié la campagne. J'ai plus qu'à aller chercher le dernier bâtiment là-bas. Voilà, hop, on a ramené les Valkyries, bon. On a une, hop, là c'est fait, là c'est bon. Il nous reste le feu de forêt. Ouais, par contre, il va nous faire une masse de air sirin. Je sais pas si 6 vont suffire, mais... Bon, on avance, on avance. Oula. Attention les... Oh putain, ils ont même mis des tours derrière ces saloperies. Reculez, reculez, on va perdre trop, on va prendre trop de pertes sinon. Et là on va utiliser. Ouais. Et il y en a encore derrière, je sais. Hein. C'est pas mal. Par contre, on va éloigner nos unités là. Et je vais mobiliser des RCR en renfort. Tu me diras, il y en a 4 de plus là, on en aura 10. C'est pas mal.
Je crois qu'il y a un N qui a oublié là. Bon, est-ce qu'on peut passer logiquement? Oui. Contre mes Valkyries, ils sont bien blessés. Hein. Ouais, ça va, ça passe. Ah! Petit. Bon, alors toi. Bon, ça va. Faites-en du petit bois. Ouais, c'est des Ents scandinaves. Mitrandir, c'est le froid, tu sais. Bon. Allez, ramenez-moi tout ça. Ça fera des bonnes bûches. En plus, j'ai des Hercir, donc ça fait vite la différence, quoi. Ah, Skull. Espèce de lâche. Donc toi, tu viens là. Hey, un autre succès de plus sur Age of Mythology, Maître de l'Or. Il est pas vraiment sanglier, hein. Bon bah ça c'est fait hein. Elle était cool cette petite campagne. Hein. Ouais, code scénario, bro. Ça fait combien sur les 70 succès du jeu? Oh putain, j'ai encore du travail. 70 sur 70. Et il y en a, ils sont chauds à voir. Je sais qu'il y a le succès caché du jeu. Il y en a un seul, il faut faire 1000 parties en ligne. Putain, 1000 parties en ligne. C'est loin, monsieur. C'est très loin. Bon. Bah, c'était quand même cool, hein, ce petit retour sur Age of Mythology. Et il faudra dire merci à Mitrandir, parce que c'est un peu lui qui m'a soufflé l'idée, hein, sur un live de Total War Saga Troy.